Putain, mais c'est vraiment des bâtards, hein. De quoi? Ben les ogmes, là, c'est des bâtards. Les ogmes? Les OGM. Ouais, les OGM, là, ça te fait pas filmer, toi? Attends, qu'on te modifie une asperge pour qu'elle ait le goût du poulet ou qu'on arrive à te fabriquer des œufs carrés, tu trouves pas ça chelou? Attends, c'est quoi la prochaine étape? Attends, petit, t'as pensé qu'il y avait peut-être quelque chose de bon là-dedans? Ah ouais? Genre? Bah, t'es mal à la génération Conflex. Ils font tous 2 mètres de haut. Peut-être qu'à force de bouffer des produits mutants, on va muter, nous aussi. Façon X-Men. Ouais, en mode mutant, c'est pas con, ça. Non mais laisse. Si ça se trouve, dans 50 piges, on aura tous la vision rayon X. Et les membres qui s'étirent à volonté, mon pote. Ouais, c'est fini, ça. Et encore, hein. C'est qu'un exemple. Attends, mais tu crois qu'ils peuvent modifier les filles génétiquement aussi? Oh, attention. Non, imagine, la fille du futur, d'accord? Coiffée dès le matin, pas une saute d'humeur, ok? Elle préfère regarder le foot avec toi au lieu de mater ses histoires d'amour à la con à la télé. Ah, c'est bon, elle nous tape un zip pour qu'elle fasse un bon. Pire, une télécommande façon. Mais oui, les raclis, ça j'agace trop tout le temps. Tu vas la fermer ta gueule, toi? Tu sais que le jour où on va modifier les mecs génétiquement, tu vas te retrouver dans la merde, mon pote. Mais pourquoi? Mais quoi? Le jour où on va inventer un mec qui est capable de pisser dans le trou des chiottes, de pas bouffer comme un porc, et niquer avec sa meuf plus de 5 minutes, hé, juste 5 minutes, c'est fini pour les fonds de barre comme toi. Qu'est-ce que tu crois, toi? Comment tu peux savoir comment 5 minutes, comment je peux savoir, hé? Les raclis, ça jacasse tout le temps. Et bah la tienne aussi, mec. Ferme ta gueule un petit peu. Bah le tringue, va. De toute façon, ils ont pas le droit de faire les trucs sur les humains, pas vrai?